Qui met un bob à 4h du matin? Personne. Bon, je te laisse parler, hein, du coup. J'ai pas d'intro. Bonjour. Et c'est toi la youtubeuse, hein? Je suis pas youtubeuse. Tu veux que... Ah non, la remise en question. Tu veux que je prenne en main cette introduction? Mais tu sais quoi? Prends en main cette introduction. Bonjour les copains et les copines. Nous avons... On a décidé d'abandonner toute idée de vidéo. Je sors du champ, je sors du champ, je sors du champ. I am in the champ. On a décidé de faire une vidéo qui s'appelle Qui de nous deux? Oh bien ça, j'ai trop. Les coulisses de ce vlog, t'es écrit beaucoup trop petit. Et elle a mal écrit mon prénom. On avait quand même écrit presque Nayanké. Tu sais que les garçons à l'époque ils me faisaient chier avec ça au lycée, au collège, ils m'appelaient Nayanké. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils sont cons. Sur le principe de. Ouais. On est des youtubeuses apprentis. J'adore. On n'a pas peur de la honte, nous. À 4, petit carreau avec un grain. Que sais-je? Je sais pas si ça fait bien le focus. Un coucou! On vous accueille en direction de Saint-Etienne. Donc le but de ce truc, c'est de... C'est de dire... Qui de nous deux? Qui de vous deux est la plus maniaque? Suspense. Je suis prête, moi. Ok. 1, 2, 3. T'as bien gâte. Bah évidemment. Bah là du coup j'avais vu rien que depuis là, je suis là depuis quelques jours. Ouais. Je t'ai vu passer le balai. Me demander est-ce que je passerais pas l'aspirateur. Ouais, en train de tout nettoyer tout le temps. Je dirais que je suis pas crade. Bah oui, moi. Mais je dirais pas que je suis maniaque, tu vois. On part sur une base de propreté. J'admets, je pense que c'est peut-être moi. Qui de nous deux chante le mieux? Elle est chaude comme la braise. Elle est chaude. 1, 2, 1. Obviously, I'm trying hard, guys. Although, il y avait une petite voix. Il y avait une certaine justesse. Il y avait quelque chose. Mais ça part en couille très rapidement, quand même. On peut se le dire. Nayanka chante extrêmement bien. Je souligne. C'est vrai. J'ai l'impression extrêmement bien. Si, tu chantes bien. Bien, oui. Oui. Mais extrêmement bien. Je ne m'appelle pas. Très bien. Vous devriez aller voir ces petites tentatives de chant. Quoi. Sur Instagram. Qui travaillait le plus au lycée? Bon, on se connaissait pas au lycée du coup. Moi je me souviens d'un fun fact. Ah bah ouais. Je sais pas. Ok. Parce que moi je me dis en vrai je faisais pas grand chose. Ouais. Ce qui fait que je me dis forcément d'autres plus. J'ai un fun fact et il va falloir que tu te souviennes de ta moyenne au bac. Est-ce que tu t'en souviens? Ah oui, c'est vrai, on a vu la même moyenne. Ouais, 15,34. 36. Et il y avait un autre fun fact. Mais... En ES. Ouais. Et un autre fun fact mais... Je peux pas le dire en caméra. Notre première. Oui. Ouais, et notre première fois en fait on l'a fait le même jour. Mais on se connaissait pas encore. On se connaissait pas. C'était pas. C'était pas la même personne. C'était pas concerté. Mais c'est pas si tu fais ce soir, ouais. Belle anecdote, putain. Putain, ouais, des trucs qui me sont revenus. Franchement, ça me donne chaud, c'était connerie. En vrai, on était en mode pyjama, chill, on regardait Friends et on s'est dit, est-ce qu'on ferait pas un petit jeu? Chauffons-nous. Et nous chauffâmes. Qui de vous deux la plus sportive? Qui de nous deux la plus sportive? C'est une question d'actualité. Ouais, on va parler sur l'actualité, ouais. 1, 2, 3. Quand on était jeune et tout, toi tu faisais beaucoup de rugby, moi je faisais de la danse. En termes d'effort physique, le rugby était quand même à mon avis beaucoup plus exigeant que la danse, même si c'est quand même deux choses très différentes. Mais actuellement, c'est elle. Qui de vous deux cuisine le mien? Ok, c'est one. J'ai utilisé une des expressions que tu détestes le plus sur cette terre. Elle est bonne à marier. Oh putain. Le sexisme. Le sexisme est présent. Elle cuisine très bien et j'en profite en ce moment, ces jours-ci. Donc je ne vais clairement pas m'en plaindre. Qui de vous aime le plus la malbouffe? C'est 1, 2, 3, 4. Agathe. That's me. Ça dépend de l'époque. Hein. On est plus sur une époque, on est sur un mode de vie. Moi j'avoue qu'il y a au moins un fast food par semaine. Ouais. Non, y a pas à chier. Hein. Mais à côté de ça, je mange des légumes. Hein. Manger 5 fruits et légumes par jour. Hein. Ministère de la Santé. That's me. Qui de vous deux fait le plus de shopping? Si on parle du shopping de bouffe, moi. Et en quantité conséquente. Vraiment. Shopping de bouffe. Me. Shopping de reste. C'est toi? Ouais, je pense. Ouais, en vrai, je commande pas souvent. Je jette pas énormément d'avis. Que ce soit commande ou achat en live, en direct live, tu vois. Qui de vous deux a le plus de vêtements? J'ai pas vu ton armoire. Huh. Attends, je vais voir.
c'est pas du jeu. Parce que moi je me rappelle pas de ton placard. Là c'est très bien rangé hein. On peut le dire. C'est très bien rangé. Elle analyse mes placards là. Je me sens jugée. On peut préciser que c'est quand même bien rangé, que c'est très correct, très propre. Très clean. Voilà. Bah sur le principe de la maniaquerie hein. Sur le principe de la maniaquerie. De la maniaquance. Je dirais que c'est moi, je pense. Okay. Je pense que c'est moi qui en a le plus. Qui de vous deux est la plus grande en taille et en âge? Bah attention tambour. That's her. That's me, standing in the mirror. Who's that? J'ai un truc avec ma tête, en vrai je suis une poule. En taille et en âge. Non. How can you do that? C'est une question. Well, I'll tell you what I think. 3, 2, 1, go. Je suis sur ça. Ouais mais en fait moi là, aussi. Là on a pas dit la question. La question c'est qui de nous deux parle mieux anglais. Et alors c'est quand même tricky parce que toutes les deux on a fait des études de langue, toutes les deux on a habité à l'étranger dans un pays anglophone, ouais. Agathe en Irlande, à Cork, pour un échange Erasmus. D'ailleurs elle est sponsor avec ce pull là. Et moi j'ai été en Australie pendant un an aussi, et toutes les deux, ça, depuis qu'on est petites, enfin je pense depuis qu'on aime, on aime les langues, c'est notre truc, surtout l'anglais. Je pense que je parle très bien anglais, mais du coup je pense en fait on n'a pas les mêmes capacités tu vois. Complètement différent, ouais. Toi t'as des meilleures capacités peut-être à l'oral. Parce que je sais mes failles et du coup c'est pour ça que je me dis sur, okay. Sur ces c'est points-là. C'est quoi tes failles d'après toi? La compréhension écrite, mais pour tout, mais en français en fait. Et je pense que toi t'es plus fort sur ça en fait. Peut-être à la compréhension de l'écrit, peut-être que oui. On peut jamais dire qu'on est vraiment bilingue parce qu'en fait, il y a plein de secteurs. Si tu parles du vocabulaire scientifique ou si tu parles du vocabulaire économique ou peut-être d'autres trucs, il y a du vocabulaire que tu vas pas avoir et ce qui fait que voilà. Mmh. Et du coup, je pense que toi, t'as plus de vocabulaire spécifique comme ça. Ayant fait LEA et toi aussi, du coup, il y a des choses quand même qui se rejoignent. On fait de la traduction un peu spécialisée. Ouais, je sais pas, je pense que c'est un peu un débat sans fin, on peut pas mesurer. On s'est rencontrés en ayant tenté toutes les deux de faire une licence d'économie gestion. It was a fail, but our friendship is kind of a nice thing. À Clermont, t'es pas encore partie. Et on faisait déjà un peu du franglais, des trucs comme ça. Ouais, et ouais. Tout. Mais ouais, mais ça a toujours été dans notre relation et dans ma personnalité aussi. Parce qu'il y a des gens qui croient que quand tu sais, c'est que tu te la pètes en fait, ouais. Que tu parles anglais, mais en fait, tu peux juste pas comprendre si tu parles pas une autre langue parce que juste t'as des mots qui te viennent plus facilement que d'autres, ce qui fait que tu vas switcher. Du coup, c'est super relou parce que tu passes pour la personne hautaine et tout qui parle de langue. Et le problème, c'est qu'en fait, la vérité, c'est qu'il y a pas trop de quoi s'inventer parce que ça veut littéralement dire que tu n'arrives pas à trouver tes mots dans ta propre langue, tu vois. Donc, clairement, ça veut dire que tu es teubé, hein. C'est clair, non, mais c'est vrai en plus. On n'y peut rien, quoi, victime de nos connaissances en langue. Qui de vous deux serait capable de faire Koh-Lanta? Bah en fait, capable ou volontaire? Capable. Imaginons, on nous y fout toutes les deux, c'est laquelle qui tient le plus longtemps, quoi. Ah, je modifie un peu la question, mais moi je sais. En vrai, je sais, je te connais pas dans ce contexte-là, tu vois. Moi je me connais, moi. Tu le dis. 2, 3. J'ai dit moi. Ouais, mais same. Moi, mais la vérité, mais moi je pète un câble. Genre vraiment de pas. Ah ouais, non. C'est quoi qui te répète un câble? Le confort. Vraiment, moi j'ai un côté. Faut que je puisse prendre une douche, tu vois. Et pas d'eau salée, tu vois. Mais déjà, moi je suis une victime de la vie, genre. Avec toutes mes allergies, mes machins, mes trucs. Mais moi, Koh-Lanta, je dure 2 heures. Mais vraiment, genre, vraiment, je reste 2 heures sur cette putain d'île. Elle fait des allergies au soleil. Genre qui? Qui a ça? Si franchement pendant ce vlog vous dites putain mais elle est translucide sa pote. Bah en fait ouais. Genre je ne peux pas m'exposer au soleil. Vous voyez le mur moi hop. Zéro différence. Qui de vous deux est le plus ponctuel? Ah je dis putain mais elle aurait pas mis moi quand même. Ça m'étonne. Non je pense que c'est moi. Enfin j'ai jamais été confrontée à ton retard. Tant mieux. C'est parce qu'en fait ça fait longtemps qu'on se voit pas régulièrement. Oui, oui. T'as un peu une obsession à être à l'heure. Moi moi il faut que c'est mon côté un peu. C'est vrai que moi je suis en retard de manière courante. Moi ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que tu vois l'heure et tu te dis vas-y j'ai encore 2 secondes? Ou est-ce que c'est que tu regardes même pas l'heure? Tu vois ou pas? Non je regarde l'heure hein. Tu la regardes? Non c'est vraiment genre tu t'es là et tu te dis ça va, je prends 2 minutes pour me doucher, 2 minutes pour m'habiller. Et voilà. Pour aller en cours, je suis tout le temps en retard. Selon le prof, parce que du coup, tu vois, il y en a qui sont plus ou moins flex. Comme la fac, elle est grande. Normalement, tu peux venir dans notre cours, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai peur d'attendre. T'as peur de paraître comme un con, d'attendre dans la rue solo. Tu vois. Ah, ça, c'est pas du tout un paramètre qui existe dans mon cerveau. Mais avant, maintenant, je m'en fous. Moi, c'est l'angoisse d'arriver en retard et que les gens me regardent. C'est un autre paramètre que toi, tu te dis. Les gens vont me regarder si j'attends toute seule par exemple.
Moi ça je m'en fous à la limite. Je préfère être à l'endroit avant, même avant l'heure hein. Mais c'est beaucoup moins stressant. C'est vraiment un truc qu'on s'inflige qui est horrible hein, les gens qui sont en retard, parce qu'en plus t'es stressé. Qui de nous deux a le plus de joie de vivre? J'aurais dit quoi? Moi j'aurais dit plus moi, dans le sens où je suis bon public et du coup il y a beaucoup de choses qui me font rire. Ouais, j'aurais dit toi aussi, t'as raison. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi je suis un peu dans l'excès. Beaucoup dans l'excès. Qui est un peu dans l'excès? Non, personne. on y est les deux pieds ou on y va? L'excès c'est le principe. Ah ouais, en fait. C'est souvent des phases d'euphorie intense et des phases après de bad intense. De bad intense, ce qui fait que c'est pas régulier quoi. Donc c'est. Donc je pense que ouais, t'as raison. Qui de nous deux danse le mieux? Alors. Ça va dépendre du style. Bah oui. Parce que du coup, toi, t'as fait de la danse. On va dire ça parce que tout à l'heure, pour le chant, on a dit Nayanka. Donc voilà. Agathe, elle a fait de la danse. T'as fait quel type de danse? De la danse classique et de la danse moderne jazz. Donc voilà. Depuis mon Erasmus et maintenant, je fais du hip-hop et un peu de contemporain. Toi, tu as fait quoi? Moi, c'était du dancehall. Moi, je me débrouillais un peu. J'ai toujours aimé danser, mais ça veut pas forcément dire que je le fais très bien non plus. Ouais, en termes de technique, peut-être voilà. Que moi, j'en ai vu un peu plus de technique. Mais très clairement. Très oui, mais en termes d'habilité à bouger son corps un peu comme tu veux et tout. Le fait que j'ai fait de la danse classique pendant longtemps, j'ai une certaine rigidité des fois dans mon... Au hip-hop, je le vois du coup. Qui de nous deux est le plus écolo? Oh. Pourquoi il y a des questions comme ça? Ok, d'accord. T'as mis moi là. Ouais, je sais. Bah oui, en fait, j'ai été agréablement surprise quand je suis venue ici, comme je t'ai dit. Moi, je lui parle toujours de mes petites avancées dans l'écologie. J'ai l'impression que toi, tu m'en as dit beaucoup moins, en fait, de ouais. Trucs. Dans la réalité, là, j'ai vu, genre, elle a plein de trucs qui sont bio, du liquide vaisselle même, tous les produits de beauté. Enfin, j'ai l'impression qu'elle fait beaucoup d'efforts et qu'elle en a pas tout à fait conscience, en fait. Je fais ma lessive. Si, en vrai, je suis très fière de ma lessive. Va savoir. Alors, c'est juste que t'as été surprise, mais si on quantifiait, genre, tes efforts et les miens, je pense que quand même, toi, tu en fais plus. Parce que genre là, t'as acheté tous ces trucs bio, moi j'achète j'achète des produits bio, mais c'est pas tous les fruits et légumes, non. Mais le problème que j'ai, voilà, c'est qu'il y a toujours ce truc, parce que bio, à la limite, c'est pas forcément écolo. Enfin, ouais. Puisque tu as du bio emballé dans du plastique, most of the time. Du oui, coup, allez comprendre ce principe aussi. Ouais, on va savoir. Je resterai quand même moi sur Nayanka parce que she's my role model. Sans oh, oh. Je vais te faire un câlin. On s'est jamais fait de câlin. Oh ah. Oui, on se casse. Qui est le plus idiot, tiens? Elle est bien cette question. Qui de nous deux est le plus idiot? Bah si tu penses que idiot c'est beauf, bah c'est toi. totalement. 100% beauf. C'est pas du sang qui coule dans mes veines, c'est de la beaufitude. Tout pareil. Qui est la plus colérique? Bah... okay. Je pense que c'est moi. Okay, ouais. C'est quand même pour dire que j'ai failli frapper un gars dans la rue il y a 3 jours. Oh, il l'avait un peu mérité quand même. Il l'avait un petit peu cherché. Mais on n'embête pas des jeunes demoiselles qui n'ont rien demandé à personne. Et ce qui fait que c'est moi qui suis aussi un peu impulsive. Impulsive. Bon ben voilà, on a fini. J'espère que la vidéo elle vous a plu. J'espère que vous avez eu du fun. J'espère que c'était peut-être drôle. Que vous avez appris des trucs sur nous. Potentiellement intime. Potentiellement intime. C'était mieux dans l'idée. Dans l'idée que dans les faits. Dans l'exécution, il y a deux pauvres feuilles de papier qui se sont fait malmener quoi. Subscribe, pose un like et commente que si t'es gentil. Parce que sinon vraiment nique-toi hein. Niquez-vous. We are in this together. Je connais pas ça. Moi non plus.